Salut à tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, pour ce nouveau tuto, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire un DIY. Donc ce sera pour customiser une petite toile de peintre. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une toile blanche, comme ceci. Vous aurez également besoin d'un chevalet pour pouvoir le poser dessus. Ensuite, vous aurez besoin de gouache. Donc j'ai choisi de la blanche et de la rose. Vous aurez également besoin de pinceaux, donc là ce sont des pinceaux à nail art, mais n'importe lesquels feront l'affaire, tout simplement c'est pour pouvoir peindre votre toile. Ensuite vous aurez besoin de paillettes de la couleur de votre choix. Vous aurez également besoin de cannes fimo, donc là pareil, toujours celle que vous voulez, vous pouvez choisir des cœurs, des fleurs, des papillons, tout ce que vous voulez. Évidemment, un cutter ou une lame pour pouvoir couper vos tranches si elles ne sont déjà pas prédécoupées. Donc alors, pour commencer, vous prenez votre toile, votre gouache, le pinceau et le petit plastique sur lequel vous allez mélanger. Donc si vous avez une petite palette, je pense que c'est mieux. Donc moi je vais choisir de faire un rose assez clair, donc pour ça je vais mélanger ma gouache rose avec de la gouache blanche. Là, une fois que la couleur me convient, je vais l'appliquer sur toute la surface de la toile. Une fois que tout est recouvert, vous allez laisser sécher ça sur un petit papier cuisson, aluminium ou quelque chose du style. Et pendant ce temps, vous allez commencer à réfléchir un petit peu à la disposition de vos affaires. Donc moi pour ça, j'ai choisi quelques cannes. Donc je ne sais pas encore exactement lesquelles je vais mettre. Je vais commencer à les trancher.
après avoir découpé vos cannes, vous allez prendre un petit papier, donc à peu près de la même taille de votre toile, et vous allez commencer à disposer vos petites cannes pendant que le tableau sèche encore. Donc là c'est bon, ma toile a séché, donc la peinture est devenue un tout petit peu plus claire. Donc là je vais aller prendre ma colle et en disposer dans le coin du bas à droite. Et une fois que c'est fait, je vais prendre mes paillettes, donc de la couleur de mon choix. Donc là j'ai choisi d'en mettre des blanches transparentes. Donc là je vais rajouter un petit peu de colle et cette fois-ci je vais monter un peu plus haut avec les paillettes. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre toile et enlever le surplus, donc tout simplement en tapant contre un support. S'il y a des trucs qui vous embêtent, ça fait un petit peu pâté à certains endroits, vous allez prendre tout simplement un autre pinceau et gratter un petit peu pour enlever. Et appuyer sur les autres paillettes à la rigueur pour les mettre contre la colle. Donc là voilà, c'est fait. J'ai enlevé les paillettes qui étaient en trop. Et ça donne ça. Donc une fois que c'est fait, vous allez reprendre votre petit papier. Votre colle et vous allez disposer vos cannes selon ce que vous avez voulu faire.
Donc voilà ce que ça donne. Le tableau est terminé. Donc j'ai mis des petites cannes, libellules, feuilles, etc. Là on a un petit dégradé de paillettes et c'est pareil du coup pour les cannes. Du coup la colle a laissé un peu cet aspect foncé sur la peinture, donc j'en ai mis sur toute la surface. Hein. Et voilà, une fois que c'est posé sur le chevalet, donc ça fait très printemps, c'est ce que je voulais justement pour ce tuto. Je voulais changer un petit peu de mes tutos habituels, donc j'avais envie de faire quelque chose qui n'est pas forcément à rapport juste avec la Fimo, puisqu'après tout ma chaîne est une chaîne de loisirs créatifs, mais pas uniquement de Fimo, donc voilà. Peut-être qu'un jour aussi j'essaierai de vous montrer comment faire un marque-page en dentelle, dites-moi si ça vous intéresse, et je le ferai. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. J'espère que vous allez commenter, partager ça et aimer cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!